Bonjour et bienvenue dans notre initiation à Python et à ses applications en mathématiques. Dans cette leçon, nous allons inspecter ensemble la boucle while et voir comment l'appliquer avec des exemples scientifiques. Pour illustrer cette boucle, nous allons nous intéresser d'abord à la division euclidienne et puis ensuite aux nombres et suite dits univers dans lesquels vous pouvez par exemple trouver vos anniversaires. Au même titre que la boucle for, la boucle while permet de faire des répétitions. Mais si on a une boucle qui est la boucle fort qui permet de faire des répétitions, pourquoi a-t-on donc besoin d'une autre boucle qu'on appellera ici while Eh bien si l'on reprend la fonction somme que l'on a vue précédemment, ce qui se passe ici c'est que je sais quand est-ce que arrêter la boucle exactement, c'est-à-dire je dois arriver à n plus 1. Alors qu'en pratique scientifique, et généralement, on aimerait faire des itérations, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter. C'est-à-dire on ne connaît pas a priori ce nombre n de répétitions. Et ce nombre n, donc, se calcule au fur et à mesure de l'exécution de notre programme. Nous allons voir ça avec un exemple pour mieux comprendre mes propos. Pour ce faire, nous allons essayer de programmer la division euclidienne que tout le monde, j'espère, connaît depuis la primaire. Et je vous rappelle brièvement ce qu'on fait. Si par exemple on souhaite diviser 21 par 5, eh bien, après quelques secondes de réflexion, tout le monde dirait que le quotient vaut 4, et que 4 fois 5, donc cela vaut 20, et le reste, c'est 1. Mais quelle est la signification de diviser 21 par 5 Diviser 21 par 5 signifie qu'on est à la recherche du nombre de 5 contenus dans 21. Ici, je sais qu'il y a 4 5 dans 21 et il restera un élément tout seul. Si je schématise ça avec des allumettes, cela signifie que j'ai 4 paquets de 5. Donc ça, c'est un premier paquet de 5. Un deuxième paquet de 5. Un troisième paquet de 5. Un quatrième paquet de 5 de 5 au total j'en ai 4 et donc 20 allumettes et puis j'ai une allumette qui reste toute seule ce qui signifie que 21 c'est 5 fois 4 c'est à dire 21 contient 4 paquets de 5 plus une allumette qui est toute seule ce que j'aimerais faire ici c'est de comprendre comment programmer la division euclidienne du moins d'une façon naïve avec Python. Ce qu'il faut comprendre donc tout d'abord, c'est comment a-t-on pu trouver le nombre 4 Eh bien, si j'effectue une autre division, par exemple 36 divisé par 7, ce qui se passe, c'est que je sais que pour arriver jusqu'à 36, eh bien, il va falloir multiplier 7 par 5, parce que si je multiplie 7 par 6, je dépasse. Et donc, du coup, j'obtiens un quotient qui est égal à 5. 5 fois 7, c'est 35. Et là encore, le reste, il vaut 1. Cela signifie bien sûr que dans 36, il y a 5 paquets de 7 plus une allumette qui restera toute seule. Mais du coup, comment faire cela algorithmiquement pour le comprendre, revenons à l'exemple de 21 divisé par 5. Pour trouver 4 ici, en fait, ce qu'on fait d'abord, je me dis dans 21, il y a combien de 5 Il y a déjà un 5, mais ce n'est pas tout, puisque je peux encore retirer un 5 de plus. Donc il y a un 5, il y a 2 fois 5, c'est un 10, mais il reste encore des 5 à retirer de 21. Il y a 3 fois 5, c'est un 15, il y a encore un 5 à retirer, donc il y a 4 fois 5 en tout. Et puis il restera un 1, donc je ne peux plus retirer de 5 de 21. Ainsi, je sais qu'en fait, le quotient de 21 par 5 vaut 4 et que le reste vaut 1. De façon plus précise, si je note a égale à 21 et b égale à 5, et j'aimerais effectuer la division euclidienne de a par b. À la première étape, je vais dire donc 21 moins 5, j'obtiens ainsi 16. Donc j'ai retiré un 5 de 21, j'obtiens 16. Mais est-ce que je peux encore retirer un 5 de 16 Oui, je peux encore retirer un 5 de 16. Donc à la deuxième étape, je vais faire 16 moins 5, j'obtiens 11 comme résultat. Je peux encore retirer un 5 de 11, donc je passe à la troisième itération. Et donc je fais 11 moins 5 qui est égal à 6. Je peux encore retirer un 5 de 6. Et donc je fais ça avec une quatrième itération, je fais 6 moins 5 qui est égal à 1. Maintenant je ne peux plus retirer un 5 de 1 et donc mon algorithme s'arrête ici. Ainsi, le nombre d'itérations effectuées dans cet algorithme correspond bien au 4 qui est ici. Ainsi, moralité de cette histoire, on voit que l'on doit s'arrêter à 4 avec 21 et 5, mais ceci n'est pas apparent dès le départ. Notre condition d'arrêt apparaît uniquement à la fin de l'exécution de notre algorithme, c'est-à-dire qu'avec une boucle fort, ceci est impossible à programmer. Nous avons donc besoin d'une boucle while qui effectue des itérations jusqu'à un moment donné. Et quand ce moment-là arrive, eh bien, ma boucle s'arrête. Allons-y donc sur Python pour essayer de programmer la division euclidienne. Donc j'aimerais avoir un programme qui me sort le quotient et le reste de la division euclidienne d'un nombre a par un nombre b. Je fais un def division de a par b, bien sûr. Deux points. Eh bien, ce que je lui dis, c'est tout simplement while c'est-à-dire tant que la condition a supérieur ou égal à b est vraie, eh bien ce qu'il faut faire, deux points, c'est la syntaxe de Python, a égal à a moins b, et puis je fais un return de a. J'enregistre et j'essaie d'exécuter ce programme pour voir ce qu'il fait. Division donc de 21 par 5, est-ce que cela me sort ce qu'il faut par exemple Hop, ça sort 1. Alors 1 n'est pas 4, pourquoi est-ce que cela sort 1 Parce que la dernière valeur, rappelez-vous ici, c'était 1. C'est pour cela d'ailleurs qu'il sort 1 et 1 ici en fait correspond, j'espère que vous l'avez bien vu, au reste de la division euclidienne de a par b ici de 21 par 5. J'essaie ma fonction division avec d'autres nombres pour voir si elle sort le reste. Donc je fais division de par exemple 35 par 7. 35 est un multiple de 7 donc le reste devrait être égal à 0. Hop, c'est 0, c'est bien. Division maintenant de 17 par 3. Et eh bien ma fonction me sort 2 comme reste et c'est vrai, le reste de la division euclidienne de 17 par 3 vaut 2. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est dire à ma fonction de me sortir à la fois le reste de la division euclidienne, mais pas seulement, je m'intéresse aussi aux quotient. Pour avoir le quotient ici, eh bien il faudrait savoir combien la boucle tant que a-t-elle tourné afin d'arriver au résultat final. Pour ce faire, nous avons besoin d'un compteur i. C'est une variable que je vais initialiser à 0, c'est-à-dire pour l'instant ça n'a pas tourné du tout mon programme. Et puis ici, quand mon programme tourne, j'incrémente i de 1, donc je lui dis i plus égal à 1, c'est-à-dire augmente i de 1 à chaque fois que tu rentres dans la boucle while. Si vous n'avez pas compris grand chose, ne vous inquiétez pas parce que je vais faire l'exécution tout à l'heure à la main. Restez toutefois attentif. Ainsi maintenant je lui dis return i, virgule A pour qu'il me retourne à la fois la valeur de i et la valeur de A. Et il sera ici en fait le quotient de la division euclidienne de a par b. Donc j'enregistre et je fais exécution. Je demande division de 21 par 5 et j'obtiens bien 4 1, c'est-à-dire que le quotient vaut 4 et le reste vaut 1. Je vais essayer ma fonction avec d'autres valeurs donc je fais division de 36 par 7 par exemple. Voilà, il me sort 5, 1, et ça c'est parce que le programme ici a tourné 5 fois et le dernier a retenu par ma fonction vaut 1. C'est-à-dire le reste de la division euclidienne. Allez, comme promis, nous allons faire l'exécution à la main avec a égale à 21 et b égale à 5. Ce qui se passe donc je vais demander à ma fonction de faire division de 21 par 5. La première valeur de i ici elle vaut 0. Et ensuite, je rentre dans la boucle while et ma fonction travaille de la façon suivante. While, c'est tant que en français. La première itération, c'est tant que A est plus grand ou égal à B. Est-ce vrai? Est-ce 21 est plus grand ou égal à 5? Oui, 21 est bien plus grand que 5. Et donc, cette condition ici, elle est vraie. Et ce qui se passe, si la condition est vraie, eh bien, les instructions qui sont à l'intérieur de la boucle while vont être exécutées. Ainsi, on obtient A égal à a moins b, mais a c'est 21 et b c'est 5, donc 21 moins 5, et donc ma valeur de a maintenant elle va être égale à 16, a n'est plus égale à 21, c'est écrasé et ça devient égal à 16. Et puis j'augmente i de 1, c'est-à-dire i égale à i plus 1, L'ancienne valeur de i c'est 0 et donc j'obtiens 0 plus 1 et maintenant i vaut 1. C'est-à-dire que a vaut 16 et que j'ai effectué une itération qui a été comptabilisée ici. Maintenant ce qui se passe c'est que la boucle while va re-rentrer dans elle-même. Et faire une deuxième itération, vérifier d'abord tant que a est supérieur ou égal à b, est-ce que 16 maintenant c'est la valeur de a, est-elle supérieure ou égale à 5, la valeur de b qui n'a pas changé Eh bien 16 est bien plus grand que 5, c'est-à-dire que cette condition ici elle est vraie, et donc nous allons rentrer dans les instructions qui sont ici. a égale à a moins b. Et j'obtiens ainsi 16 moins 5 qui est égal à 11. Et puis j'incrémente i de 1, c'est-à-dire i égale à l'ancienne valeur de i plus 1, mais l'ancienne valeur de i c'est 1. Donc j'augmente de 1 et j'obtiens 2. Ce qui signifie que je suis à la deuxième itération. Même chose, la boucle while va re-rentrer dans elle-même. Troisième donc itération, c'est tant que A est supérieur ou égal à B, est-ce que 11 est-il supérieur ou égal à 5 C'est vrai. Cette condition est vraie, et donc j'exécute mes instructions. a égale à A moins B, c'est-à-dire 11 moins 5 qui est égal à 6. Et puis j'incrémente i de 1 et j'obtiens i plus 1 égale à 2 plus 1, c'est-à-dire 3, ce qui indique que je suis à la troisième itération. Maintenant, même chose, quatrième itération, tant que a est supérieur ou égal à b, a-t-on 6 est supérieur ou égal à 5 Oui, c'est vrai, donc j'exécute encore une fois a égale à a moins b, c'est-à-dire 6 moins 5, j'obtiens 1, et puis j'augmente i de 1, i plus 1, qui est égal à 3 plus 1, c'est-à-dire... Maintenant en fait la boucle while re rentre encore une fois dedans, c'est la cinquième fois On vérifie si donc a est plus grand ou égal à b Est-ce que 1 qui est la dernière valeur de a était le plus grand de égal à 5 Et eh bien ceci n'est plus vrai et donc la boucle ne rentre pas pour exécuter les instructions à l'intérieur et c'est terminé Ainsi la dernière valeur de a c'est 1 et la valeur de i c'est 4 la dernière valeur de a ici, qui est égale à 1, représente le reste de la division euclidienne de a par b, et le nombre d'itérations représente le quotient de la division euclidienne de 21 par 5 ici. Une fois que nous sommes sortis de la boucle while, notre programme retournera donc d'abord à la valeur de i, c'est-à-dire le quotient, et puis la valeur du reste, qui est le dernier a. Super, n'est-ce pas J'aimerais insister sur cette histoire de la condition d'arrêt de ma boucle while. La boucle s'arrête quand a devient strictement plus petit que b, c'est-à-dire quand cette condition devient fausse. Et l'on voit bien ici que la boucle pour ne permet pas de faire ce type de programmation parce qu'on ne sait pas, a priori, à quel moment ma fonction doit s'arrêter. Et ça, je ne le sais ici qu'à la fin de ma boucle. Passons maintenant au nombre univers. Un nombre univers est un nombre réel dont la partie décimale contient n'importe quelle suite finie de chiffres il existe un nombre univers très facile à construire et ce nombre s'appelle la constante de Champernon, mathématicien anglais du xxe siècle et en fait cette constante est tout simplement égale à 0.123456789101112... 13, 14, etc. La partie décimale de ce nombre est infinie et elle contiendra tous les nombres et ainsi ce nombre-là est univers puisque il va contenir n'importe quelle suite finie de chiffres. Si vous prenez par exemple 7810, eh bien vous allez tomber à un moment donné ici dans la partie décimale de x sur 7810. Maintenant, si vous prenez votre date d'anniversaire aussi, eh bien cette date d'anniversaire figurera dans la partie décimale de ce nombre. Ce qui est encore spectaculaire dans cette histoire, c'est que Pi, encore lui, en pense qu'il est univers. C'est-à-dire que si vous recherchez dans les décimales de Pi, vous pouvez trouver, par exemple, votre date d'anniversaire là-dedans. À un moment donné, bien entendu, mais elle existera. Il existe d'ailleurs des algorithmes permettant de faire ceci. Et dans cette leçon, nous allons nous intéresser aux suites univers plutôt qu'aux nombres univers. Et une suite univers est une suite d'entiers naturels dans laquelle n'importe quelle suite finie de chiffres apparaît à un moment donné dans l'un de ces termes. Et il a été démontré par exemple que la suite des puissances de 2 est une suite univers. Ce qui signifie d'ailleurs que le nombre 0,1248163264 etc. contenant toutes les puissances de 2 est un nombre univers. Nous allons maintenant passer sur Python et voir comment trouver la plus petite puissance de 2 dans laquelle apparaît une suite finie de chiffres, à savoir ici votre date d'anniversaire. Allons-y donc, nous allons essayer de programmer cette super petite fonction. Donc, on fait un def univers qui va prendre en argument un certain s et on verra ce que c'est dans quelques instants. Donc, deux points. Première chose, je définis la plus petite puissance de 2, c'est-à-dire i égale à 0, qu'on va incrémenter dans notre boucle while, vous verrez comment. Et puis, je définis un nombre que j'initialise à 1. Et l'on verra bien à quoi cela peut bien servir. Donc, maintenant, je rentre dans ma boucle while, c'est tant que. Note S in str de A et eh ben une belle commande, assez bizarre et assez inintelligible pour l'instant. Donc, je lui dis, incrémente i de 1, et puis ensuite, multiplie a par 2, ce qui va servir à chaque entrée dans notre boucle while à calculer la puissance suivante de 2. Je prétends que c'est terminé. Maintenant, il suffit de dire return d'abord i, c'est-à-dire la puissance de 2 dans laquelle s apparaît, et puis cette même puissance qu'on appelle a. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment ce programme tourne réellement. Ce que la boucle signifie ici, c'est que tant que S n'est pas dans STR de A, eh bien, tu dois exécuter ces deux instructions qui sont ici, c'est-à-dire incrémenter i de 1 et puis multiplier A par 2. Mais quelle est donc la signification de str de A Alors je vous rappelle que s ici l'argument de la fonction univer est une chaîne de caractères qui contiendra donc votre date d'anniversaire par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à une chaîne de caractères plutôt à un entier naturel Eh bien parce que le s in str de A est une fonctionnalité de recherche de chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères. Et donc, pour rechercher votre date d'anniversaire dans une puissance de 2, eh ben, il va falloir convertir cette puissance de 2 à une chaîne de caractères et puis utiliser la fonctionnalité de recherche de cette chaîne de caractères qui est S, dont str de A. Regardons ensemble ce que str de A fait exactement. Si par exemple, je définis A l'entier 123, et eh bien le type de A ici est un entier. Donc si je fais type of A, j'obtiens bien une classe int, c'est-à-dire il s'agit d'un entier. Maintenant, si je demande à Python la valeur de a, il me sort bien a égale à 123. Ensuite, si je définis une nouvelle variable b qui est égale à str de a pour savoir ce que ça fait, j'appuie sur entrée. Bon, il se passe rien pour l'instant. Et puis je lui dis combien vaut b et me sort maintenant 123, mais entre apostrophes, qui signifie que il s'agit d'une chaîne de caractères contenant le nombre 123. Et si je lui demande type of b, il me sortira bien qu'il s'agit d'un str, c'est-à-dire un string ou une chaîne de caractères. Super. Un dernier commentaire avant d'exécuter notre fonction univers, c'est que ici, je calcule la puissance de 2 de façon itérative. Certains d'entre vous peut-être feraient a égale à 2 puissance i. Je vous rappelle que double étoile signifie puissance. Eh bien cette façon est naïve, et elle est bien plus coûteuse que celle-ci, puisque à chaque fois ma fonction avec celle-ci sera obligée de recalculer toutes les puissances de 2, alors qu'ici, en fait, elle calcule la prochaine puissance de 2 à partir de l'ancienne. Et on comprendra ensemble ce qui se passe réellement quand on fera l'exécution à la main. Donc, je supprime cette ligne ici. Passons maintenant à l'exécution de notre fonction. Si j'essaie univers de 2, par exemple, eh bien, je devrais tomber sur i égale 1, puisque la toute première puissance de 2 qui contient 2, c'est bien 2 à la puissance 1. En regardons si cela fonctionne réellement bien. Tac, et eh bien oui, c'est la première puissance de 1, et cette puissance elle vaut bien 2. Si j'essaye maintenant ma fonction univers avec 128 par exemple, qui est encore une puissance de 2, et eh bien le programme me sort que 128, ce nombre apparaît à la septième itération, c'est-à-dire à 2 à la puissance 7, qui vaut bien aussi 128. Maintenant je vais essayer ma fonction univers sur une vraie date d'anniversaire, qui est le 28 03 1928, par exemple. Il s'agit ici de la date d'anniversaire d'Alexandre Grothendieck, un mathématicien hors du commun du XXe siècle, le magicien défuncteur. Allons-y, j'appuie sur Entrée. Cela va prendre un tout petit peu de temps, il s'agit d'une chaîne de caractères un peu plus longue que les autres, un peu plus aléatoire aussi. Mais je vous assure que Python finira par trouver la plus petite puissance de 2 contenant cette chaîne de caractères. Eh oui, c'est Alexandre Grotendick que la chaîne de caractère est un peu plus difficile que les autres. Après dur labeur, voilà donc le résultat qui tombe comme une pomme mûre. Je remonte un peu pour voir le résultat. Donc, la date d'anniversaire d'Alexandre Grotendick apparaît. En premier lieu, quand i égale à 41 032 et, et 2 à la puissance 41 032, ça vaut ce gros nombre monstrueux. Et Python, figurez-vous, il sait le calculer. Super. Je vous invite à programmer cette petite fonction chez vous et à voir quelle est la plus petite puissance de 2 dans laquelle votre date d'anniversaire apparaît. Nous passons maintenant comme promis à l'exécution à la main afin de mieux comprendre ce qui s'est passé et nous allons demander à notre fonction univers par exemple de faire univers de 2803-1928, date d'anniversaire de notre champion national Alexandre Grotendick. Eh bien, ma fonction va rentrer ici. La première valeur de i, c'est i égale 0 et a, c'est a égale 1. Et puis, ce qui va se passer, c'est que cette fonction va rentrer dans la boucle while. Elle va chercher s dans str de a. C'est-à-dire, elle va chercher 1928 dans 1. Est-ce que ce nombre-là apparaît dans 1 eh bien, il n'apparaît pas dans 1, et donc elle va rentrer là-dedans, faire l'exécution de cette première itération, c'est-à-dire à la première itération, nous allons avoir i égale à i plus 1, mais l'ancienne valeur de i c'est 0, donc j'obtiens 0 plus 1 qui est égal à 1, et puis a va être égal à a fois 2, et a fois 2 c'est 1 fois 2, et ainsi j'obtiens bien 2 qui est la première puissance de 2. Pareil, la fonction va re-rentrer dans la boucle while, vérifier si s est dans str de a. Est-ce que ce nombre-là est dans 2 Eh bien non. Donc on va re-rentrer à l'intérieur de ma boucle while et réexécuter les instructions qui sont à l'intérieur ici. Ainsi, i devient égal à i plus 1. L'ancienne valeur de i, cette fois-ci, elle vaut 1. Donc j'obtiens 1 plus 1 qui est égal à 2. Et a va être égal à a fois 2, c'est-à-dire. L'ancienne valeur de a c'est 2 et j'obtiens 2 fois 2 et 2 fois 2 c'est 2 au carré qui est égal à 4. Remarquez ici d'ailleurs que 2 au carré c'est 2 à la puissance i c'est à dire il s'agit bien de la ième puissance de 2. Pareil, ma fonction va re-rentrer maintenant dans la boucle while, vérifier la condition qui est ici. Est-ce que ce nombre apparaît de la deuxième puissance de 2, c'est à dire 4 Et ben non. Et donc ce qui va se passer c'est qu'elle va re-rentrer dans la boucle et exécuter les instructions qui sont là, i égale. À i plus 1, c'est-à-dire cette fois-ci 2 plus 1, et donc i devient égal à 3. Et puis a, il va être remultiplié par 2 pour avoir la troisième puissance de 2, c'est-à-dire 2 au carré fois 2, qui est égal à 2 à la puissance i, qui est 2 au cube ici, et donc égal à 8. Ma fonction revérifiera si ce nombre-là existe dans 8, et bien il n'existe pas dans 8, et donc elle fera la quatrième itération. Etc. Super chouette, n'est-ce pas? Eh bien, ce programme se termine à un moment donné, il ne tourne pas jusqu'à l'infini, parce qu'on a démontré mathématiquement que la suite des puissances de 2 était une suite univers, c'est-à-dire que quelque part, Python, il va trouver une puissance de 2 qui contiendra ce nombre qui est ici. Notre première leçon sur la boucle while se termine ici, et on verra d'autres applications de celle-ci sous peu. Merci pour votre écoute et à très bientôt.